précisément dans le cas de Washington. Par le maman Marthe née. Maman Marthe née. Par le plus choc. Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un congolais. On est un congolais. On a 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 un Bio Africa Union. Et toi, t'es un congolais. Sinon, on ne peut pas dire que tu n'as Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Vous allez excuser la tonalité, ma voix et tout le reste. J'essaie de faire de gros efforts parce que là, je suis grippé. Mais alors, ne vous en faites pas, hein, c'est une équipe grippe. Saisonnière, rien à voir avec la troisième vague ou la quatrième ou même la cinquième. Alors, c'est vrai que des questions que l'on se pose toujours sur principalement nos ressources naturelles, leur utilisation. Et quand on parle de l'utilisation de nos ressources, généralement on se pose la question de comment ça se fait après, quand les opérateurs économiques viennent, qu'est-ce qu'ils doivent faire sur terrain, quel type d'emploi eux peuvent-ils faire, quel type d'emploi ils ne peuvent pas, auquel ils ne peuvent pas souscrire. Et là, nous parlons déjà de la sous-traitance, comment elle est organisée en République démocratique du Congo, dans les secteurs miniers, par exemple, comment est-il organisé? Est-ce que les jeunes Congolais ont beaucoup plus de priorité? Est-ce qu'ils sont pris en charge sur la question? Comment ça se passe? Alors, je reçois Don Israël, qui était l'autre fois mon invité, avec qui on avait parlé de la situation du Lualaba. On ne reviendra plus. Mais là, nous parlons plus sur la question de la sous-traitance et la redevance minière d'ailleurs. Comment ça s'organise ce secteur-là? Est-ce que ça promet aux jeunes gens d'évoluer? Est-ce que nous pouvons avoir des millionnaires dans ce secteur-là? Surtout le secteur de la sous-traitance au niveau des mines. On en parle avec lui, dont Israël. Comment allez-vous? Je vais super bien, Christian Bossembe. Ouais. Et je salue tous les téléspectateurs de Critique Info et de toutes nos plateformes. Parce que vous êtes aujourd'hui l'un de ceux qui sont suivis. Et surtout quand il s'agit des dossiers assez beaucoup plus intelligibles, quand il faut de la technicité, quand il faut être écouté par une classe des décideurs, il faut en parler avec Christian Bossembe. Merci beaucoup. Alors nous allons aujourd'hui parler d'un sujet dont on parle peu dans le média. C'est le sujet de la sous-traitance. Nous connaissons tous l'importance d'une sous-traitance. Il est quasi impossible aujourd'hui
de dire bon, on va éliminer la sous-traitance. Non, c'est important d'en avoir. Mm-hmm. Mais selon vous, est-ce que la sous-traitance, elle est bien organisée en République démocratique du Congo? D'abord dans l'ensemble, avant de parler des questions des mines. Dans l'ensemble, je dirais que la sous-traitance n'est pas encore très bien organisée. Il y a des structures qui sont mises en place pour encadrer. Il y a une autorité de régulation, la RESP, qui, à ce jour, n'est pas encore implantée dans toutes les provinces. Par exemple, dans le secteur des mines, il n'y en a pas déjà au Lualaba, au Katanga. Ce n'est pas encore d'actualité. Le bureau est coordonné à partir de Kinshasa. Et nous nous disons que, vu les enjeux, vu l'importance de ce problème, il faudrait, dans les jours prochains, qu'ils prennent des décisions à ce que cette question de sous-traitance soit traitée à la base. Parce qu'à la base, nous avons des personnes qui sont acteurs, qui sont témoins et qui sont victimes. Ce sont ces personnes qui sont porteurs des vraies informations. Nous autres, entrepreneurs, qui œuvrons dans ce secteur, et nous pouvons remonter à la hiérarchie et savoir comment est-ce que les décisions peuvent être prises. Que faites-vous exactement dans ces secteurs-là, vous particulièrement? Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, 2 ans et demi, 3 ans déjà aujourd'hui, Gloris Multiservice, une entreprise dont je suis le promoteur, une entreprise qui est enregistrée dans le secteur des mines, comme sous-traitant, et ce que nous faisons, nous nous battons jusqu'ici à avoir des marchés, et déjà avec le lobby que je suis en train de faire, j'aimerais déjà alerter les autorités, ça devient de plus en plus difficile pour nous, nous sommes... je suis l'homme à éviter par ces multinationales et du coup, je ne vois pas, à moins que le gouvernement intervienne d'une manière ou d'une autre, pour que demain que nous ayons aussi des contrats, mais cela ne va pas nous décourager. C'est un chemin que j'ai choisi. Je préfère parler. Est-ce que vous avez déjà un contrat? Pas encore à ce jour. Depuis 3 ans, vous n'avez pas de contrat? Pas encore. Mais pourquoi vous n'avez pas de contrat? Les difficultés qui sont visibles et palpables sur le terrain, les grandes difficultés, les entreprises multinationales qui ne respectent pas la loi de février 2017 portant sur l'application de quoi de la sous-traitance dans le secteur privé. Ils préfèrent aller de moratoire en moratoire, de moratoire en moratoire, des faux fuyants pour ne pas appliquer cette loi. Pourquoi, Christian? Parce qu'il s'agit des centaines de millions de dollars qui sont rapatriés à l'étranger, ou soit ces centaines de millions de dollars qui sont encore reprises par les mêmes investisseurs, ils ne veulent pas donner la sous-traitance aux Congolais. Mais selon la loi, selon la loi de février, comme vous dites, quelle est la limite des entreprises mères quand ils viennent? Qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire? Qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas sous-traiter? Quand on parle de la sous-traitance, il y a 2-3 concepts qu'il faut comprendre. Il y a l'activité principale, l'activité annexe et l'activité connexe. L'activité principale, c'est l'activité qui est enregistrée sur le registre de commerce d'une entreprise mère. Par exemple, TFM, KCC, Kamoa, pour ne citer que cela, quand ils viennent s'enregistrer au guichet unique, ou à l'époque, déjà quand nous n'étions pas encore dans le système OADA, ils viennent s'enregistrer sur le registre de commerce, c'est écrit par exemple, produire et vendre du cuivre et du cobalt. Ils peuvent produire du cuivre, ils peuvent le commercialiser sur le marché international, ça, c'est leur travail. Mais par exemple, transporter ce même cuivre, ils ne peuvent pas faire. Il y a, par exemple, les activités annexes, ce sont des activités qui sont liées indirectement à l'activité principale, entre autres, cuisiner de la nourriture pour les travailleurs, transporter les travailleurs de leur maison sur le site, ce sont des activités annexes. Et ces activités ne peuvent pas être faites par l'entreprise principale. Ce sont des activités qui sont réservées à la sous-traitance. Les activités connexes qui sont liées directement à la production de leur cuivre, entre autres la maintenance générale et faire tous ces travaux techniques dans la mine. Certes, l'entreprise mère doit avoir ses travailleurs, ses ingénieurs, mais quant à l'exercice même de cette maintenance, d'arranger tel équipement, c'est un travail de sous-traitance. Donc, tous ces travaux, les travaux annexes et les travaux connexes, les entreprises principales ne peuvent pas faire. Ce sont des travaux réservés à la sous-traitance. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, ils sont en train de le faire et s'ils ne le font pas, ils trouvent des faux fuyants, des couvertures, des empreintes, des prête-noms et pour couvrir cela et rapatrier les capitaux chez eux. Alors, dans la pratique, comment ça se fait? Par exemple, une entreprise, je vous donne un exemple simple, une entreprise Bossembe.
L'entreprise Boussembe arrive, elle exploite les mines. Alors, est-ce que vous avez des exemples comme ça, où une entreprise comme, par exemple, Boussembe Mining, je viens, j'exploite, et puis, au lieu de sous-traiter le transport de mes agents, ou au lieu de sous-traiter les restaurants ou la restauration de mes agents, ou au lieu de sous-traiter, si vous voulez, le nettoyage de mes bureaux, et ainsi de suite, j'emploie qui en ce moment ? J'emploie mon frère, j'emploie mes soeurs, j'emploie mes copains. Qu'est-ce que je fais ? Dans la pratique, comment ça se passe ? Dans la pratique, je prends à titre d'exemple les entreprises chinoises. Ils arrivent, déjà qu'ils ont presque le même visage, ils ont leur entreprise. Je prends Boussembe Mining, vous êtes sujet chinois, vous venez au Congo, vous vous enregistrez à Kinshasa, vous allez, on vous donne un carré minier, vous construisez votre usine. Dès que vous commencez à exploiter, normalement, la loi congolaise veut à ce que vous vous occupez de produire et de vendre votre cuivre. Point barre. Point barre. Maintenant, nourrir les travailleurs, transporter les travailleurs, faire la maintenance, il faut chercher Dembouy Corporation, moi, qui dois venir avec mes frères congolais pour que la production de ce cuivre que tu fais profite à la base aux Congolais, qui est cette création des millionnaires. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font ? Il vient Boussembe Mining, sujet chinois. Il prend Jingjiang Mining, son cousin. Il vient avec au Congo et quand ils arrivent sur terrain, ils l'enregistrent. Par exemple, ça, il faut le dire, je l'ai dit plusieurs fois. Il faut citer des noms parce qu'aujourd'hui, c'est plus secret des polichinelles. Les autorités le savent et les Congolais le savent aussi. Par exemple, le cas de Sicomine. On vient, on vous dit que non, non, nous avons plusieurs filiales. Sicomine 0, Sicomine 1, Sicomine 2, Sicomine 3, Sicomine 4, Sicomine 5. En fait, la vraie Sicomine, c'est la Sicomine 0. Les autres, là, ce sont des sous-traitants. D'autres entreprises appartiennent à d'autres Chinois. Du coup, quand ils exercent la sous-traitance au Congo, l'argent de la sous-traitance retourne encore en Chine et le Congo n'a plus rien. Et qu'est-ce que l'État fait pour protéger ça, effectivement ? Il y a une loi, l'article 6 de cette même loi, elle dit que la sous-traitance est réservée seulement aux entreprises congolaises. Et la même loi renchérit en disant qu'en matière de sous-traitance, il faut que toutes les entreprises principales publient le chiffre d'affaires chaque année du chiffre qu'ils ont fait avec les sous-traitants congolais. Mais ça n'a jamais été fait, ça ne se fait pas. C'est l'argent qu'on vole au gouvernement congolais, l'argent qui devrait bénéficier aux jeunes Congolais que nous sommes. Le président cherche des millionnaires, eh bien, il n'en a pas. Il n'en aura pas jusqu'en 2023. Il n'en aura pas en 2028 parce qu'on ne nous prend pas au sérieux. Alors, j'ai déposé mon mémorandum à la présidence, à la primature et tout, partout là, et même nous appeler pour discuter de la question, on ne nous appelle pas. Donc du coup, je me dis aujourd'hui que le gouvernement veut une chose et son contraire. Là, j'alerte le président de la République, il a été sur terrain, il vient de Colosie il n'y a pas encore trop longtemps, il a parlé avec les miniers. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas question de renégocier le code minier, il est déjà bon, il faut juste son application. Il faut respecter la loi. Et si ces entreprises respecteraient la loi, je peux vous assurer, les questions des milliards, Christian. Alors, le code minier, c'est vrai, moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut réviser ces codes. Je crois les réformer, même si possible, tellement qu'il y a beaucoup de choses. Mais ça, c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Mais revenons sur la question de la sous-traitance, parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, êtes-vous en train de nous dire que les entreprises chinoises ou américaines, ou je ne sais pas moi, quel type d'entreprise, quand ils arrivent à Kinshasa, ils s'enregistrent, ils arrivent là-bas, au lieu de sous-traiter les Congolais, eux sous-traitent leurs propres frères. C'est ce que vous nous dites, en fait. Justement, pas seulement sous-traiter, ils vont plus loin, Christian. Aujourd'hui, je viens pour dénoncer, j'aimerais être calme afin que les Congolais comprennent ce dont nous sommes en train de parler en ce moment. Ils sous-traitent chinois, ils viennent avec leurs frères chinois, et il y en a même plusieurs qui n'ont même pas de visa, de work permit. Parce que tu peux avoir un visa de non-séjour, mais pour travailler au Congo, il faut avoir un work permit. Il faut que ton employeur encore coopère avec les ministères attitrés pour compter dans ce work permit afin que tu aies droit de travailler au Congo. Et ils vont plus loin, à la place même d'engager des Congolais, ils ne le font pas. Là, j'ai été appelé plusieurs fois après notre émission de la fois passée, après les autres émissions que j'ai passées par-ci, par-là. Beaucoup de Congolais m'ont appelé, des Lualabé, de Haut-Katangé, ils m'ont appelé pour dénoncer ce que se passe réellement dans les entreprises chinoises.
Il y a même de ceux qui m'ont envoyé des preuves. Par exemple, pour Sicomine, est-ce que vous savez que même les travailleurs congolais n'ont même pas de contrat? On te prend pour un essai de 2 semaines, ça devient un essai de 2 mois, 3 mois. Donc, ils vont d'essai en essai. Les seuls employés qui sont engagés, ce sont leurs frères chinois. Les Congolais n'ont même pas de contrat de travail, par exemple, au CDD ou CDI. Les Congolais n'en ont pas dans les entreprises chinoises. Ce sont des journaliers. Combien sont-ils payés? Ils sont payés, en tout cas, des salaires minables, des salaires médiocres. Et les autorités le savent. On en a parlé plusieurs fois. Il y a grogne chaque fois dans des provinces avez-vous sur ce une sujet. Idée du montant qu'ils gagnent? Il y a des entreprises chinoises qui payent 100 dollars. Non, ce n'est pas vrai. Mais je vous assure, dans 100 dollars dans le secteur des mines, ils sont là. Quel type de travail ils font? Des travaux trop durs, sans repos. Parce que tu sais, à la production, surtout quand tu travailles au département de la production, il n'y a pas de repos possible. Donc la mine doit tourner 24 heures sur 24 heures. Donc il y a des shifts, ce qui est entre le matin et ce qui est entre la nuit. Donc la machine doit tourner au quotidien. Vous voyez un peu? Donc ça, ce sont des réalités. Et pour ça, on vous donne 100 dollars. Les entreprises chinoises qui payent 100 dollars, 150. Et alors que les gens sont... ils travaillent aux risques et périls parce que vous savez, il y a des travaux trop. Je m'excuse, des travaux à haut risque dans le secteur des mines. Et les Congolais sont là. Déjà qu'ils ne sous-traitent pas Congolais, ils emploient pas les travailleurs Congolais. Ils viennent avec de nombres incalculables des sujets chinois. Ceux qui ne respectent pas encore la loi congolaise sur l'emploi. Vous voyez un peu? Donc ils viennent, ils le font. Ils sont les tout-puissants, ils sont les intouchables. Et les autorités le savent. Et nous venons encore dénoncer aujourd'hui. Qui prépare pour les Chinois? Qui prépare pour les grandes entreprises là-bas? Leurs frères chinois, il y a des entreprises françaises. Si vous voulez, je peux citer des noms. Bien sûr, allez-y. Par exemple, IFES, c'est une entreprise chinoise, une entreprise française. Il y en a encore CC, SS, ce sont une entreprise ghanéenne. Ils viennent... En sous-traitance. En sous-traitance. Pourtant, la sous-traitance, selon vous, est une exclusivité du Congo. Du Congo. Il y a aujourd'hui des services traiteurs de grand renom au Lualaba. Je peux en citer. Rejoice Service, par exemple. Le président de la République a été c'est eux qui ont fait de la cuisine pour le président de la République. C'est Chinois. Non, des Congolais. Ah, c'est des Congolais. Ça, je parle d'un Congolais. Ah, d'accord. Oui. Si déjà ce service traiteur peut cuisiner pour le président de la République, et pourquoi ne pas donner privilège à ce même service de cuisiner pour les Congolais dans les entreprises minières? Vous êtes en train de nous dire que cette entreprise des Congolais, qui engage des Congolais, n'a aucun contrat avec les entreprises minières? Presque pas. J'ai parlé avec l'un de leurs responsables récemment. On leur donne, quand on les appelle, c'est juste pour la décoration, pour des petits trucs, mais pour des grands trucs qui peuvent faire entrer des millions, pour qu'ils soient, par exemple, cette grande dame que je salue d'ailleurs, Madame Léna, qui fait du très bon travail à Kolwezi. Il y en a d'autres qui viennent après. Madame Marlène Munga, qui ont des grands services aujourd'hui, donc qui peuvent rivaliser, qui peuvent se mettre ensemble et produire du bon travail, du bon service aux entreprises. Déjà que ce sont des Congolais, ils connaissent l'art culinaire congolais. Et de surcroît, la grande majorité des travailleurs sont congolais. Pourquoi pas ne pas leur rendre millionnaire? Alors, donc, vous pensez qu'on peut facilement rendre millionnaire avec la sous-traitance? Si les Congolais ont la possibilité, la bénédiction de l'État, d'avoir les marchés de la sous-traitance, on aura des millionnaires. Je peux vous dire, au bout d'une année, le président pourrait avoir 200 millionnaires congolais. Plus de 200 millionnaires. En faisant quoi exactement? Juste en donnant la sous-traitance aux Congolais. Oui. Citez-moi une seule sous-traitance, ou deux, par exemple, et puis dites-nous par quel mécanisme, parce qu'on aime bien les chiffres, et puis après, quand on va donner le travail, vous n'avez pas les 1 million de dollars en question, vous n'êtes pas millionnaire. Non. Par exemple, en cuisinant, combien allez-vous gagner? En faisant le transport, combien allez-vous gagner? Ok, je viens. Déjà que le transport, je vous ai dit tout à l'heure, si je dois commencer par là, aujourd'hui, c'est prouvé par tout le monde, pour ceux qui ont été dans le Grand Katanga, j'aimerais qu'on cite les chats par... l'échappent à leur nom, s'il le faudrait ainsi. Il y a par exemple l'entreprise Moulicap. C'est la meilleure des entreprises dans le domaine de transport. Vous voyez un peu? Il y a des Tanzaniens, il y a des Sud-Africains, des Turcs, des Libanais qui viennent dans le transport. Mais l'entreprise la mieux organisée dans le transport, c'est une entreprise d'un Congolais, Moulicap. On peut lui donner par exemple ce marché. Il peut co-traiter ou sous-traiter à son niveau. Dans le domaine seulement de transport, on pourrait avoir par année 20 millionnaires. Et c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Je prends par exemple dans le domaine technique, je prends un seul domaine, le relining. Voyez un peu. Avec le relining, dans toutes ces entreprises minières, souvent ce sont des contrats par an qui vont au-delà de quoi? Des millions.
Si on respecte la taxation, donc la cotation, parce qu'il y a un grand problème aujourd'hui, Christian, ce que j'appelle les effets de la courbe de cotation. À l'époque, avant 2014, 2015, 2016, 2017, c'était des Sud-Africains, c'était des étrangers qui avaient le monopole de la sous-traitance. Depuis que la loi appuie les Congolais, de plus en plus des entreprises naissent dans ce secteur et ils sont en train de vouloir s'imposer. Et du coup, la courbe de cotation est inversée. Par exemple, un contrat qui était coté 10 millions de dollars, aujourd'hui on donne à un Congolais, on veut qu'il cote à 800 000 dollars seulement. Et pourtant, c'est un contrat de 10 millions. Donc, les chiffres sont là. Il faut juste recourir aux chiffres, par exemple, de 2014, 2015, 2016. Vous trouverez qu'il y a des chiffres propres à la sous-traitance. Les statisticiens sont là, ils peuvent équilibrer. Mais aujourd'hui, déjà, que cette courbe doit évoluer avec le cours des métaux. Quand il y a baisse, réellement, souvent, les entreprises viennent et disent aux sous-traitants, il y a baisse du cuivre, vous devez baisser votre facturation, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, c'est prouvé que la courbe est ascendante, que la cotation du cuivre sur le marché, sur le LME, aujourd'hui, est à plus de 10 000 dollars, Christian, la tonne. Donc, du coup, la cotation aussi des marchés de la sous-traitance devait suivre. Mais c'est le contraire qui se fait. À la place que ça monte, ça baisse de plus en plus, de plus en plus. Mais comment faire pour arrêter ça? Comment faire pour régler la question? Parce que, je veux dire aussi, en passant, l'on observe qu'il y a beaucoup plus de sous-traitants dans les secteurs miniers que dans d'autres secteurs. Pourquoi? Il y a les sous-traitants dans tous les secteurs, mais c'est en termes de quoi? Des chiffres qui tournent tout autour. Quoi. Par exemple, dans la communication, il y a des sous-traitants, même s'ils ne sont pas trop pris au sérieux, et beaucoup de gens ne le savent pas, Vodacom a des sous-traitants, et toutes ces autres entreprises, Airtel et les autres. Et aujourd'hui, avec le secteur des mines, on parle d'un chiffre qui peut avoisiner le milliard de dollars. Là. Oui. Vous voyez un peu? Donc, un chiffre qui peut avoisiner le milliard de dollars. Si on peut diviser le milliard en termes de quoi? De 1 million, 1 million, 1 million par Congolais, et qu'on va faire, on trouver un modus operandi. Donc, aujourd'hui, j'ai un contrat de sous-traitance chez Kamoa, et l'année prochaine, c'est notre Congolais. Moi, le 1 million que je peux récupérer, ou l'argent que je peux gagner de ça, je peux réinvestir dans un autre secteur. Vous trouverez que beaucoup des jeunes entrepreneurs vont se retrouver et vont évoluer. Est-ce qu'un sous-traitant peut sous-traiter? Oui. On appelle ça la co-traitance et c'est prévu par la loi. Je peux avoir un grand marché aujourd'hui, je n'ai pas assez du cash pour réaliser ce marché. Je peux appeler Bosembe Mining, ils travaillent ensemble avec moi et nous tous, nous faisons ce travail et il aura sa part, j'aurai ma part. Pourquoi les Congolais veulent sous-traiter au lieu d'être des activités principales, des entreprises principales? Là encore, la loi prévoit quelque chose. Déjà, dans les entreprises principales, la loi prévoit avec le code minier, l'une des innovations du code minier actuel, qu'il faut à tout prix, chaque fois qu'une entreprise vient au Congo, une entreprise principale vient investir au Congo, il faut qu'il y ait une participation des entreprises congolaises ou des sujets congolais à hauteur de 10% dans chaque entreprise principale. Donc, ils seront co-auteurs ou co-acteurs de cette entreprise principale. Mmh. Mais aujourd'hui, je ne connais pas une seule entreprise, je ne connais pas des sujets congolais qui sont partenaires des entreprises principales. Là encore, nous demandons au gouvernement central d'ouvrir, d'essayer de nous appuyer. C'est facile. Par exemple, le KCC n'a que 1 million de capital social, 10%, ça ferait 100 000 dollars. On peut prendre 100 jeunes, on recrute ça et là, 1 000 dollars, 1 000 dollars, 1 000 dollars, ils sont 100. Ils constituent le 10% de quoi du capital social de KCC. Et ils sont appuyés par une banque locale, par la Banque commerciale du Congo ou par les autres banques. Et puis, ils participent aux charges et aux bénéfices de cette entreprise à cette hauteur. Et ça va marcher. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que... d'abord, est-ce que vous avez la... Je ne veux pas parler de la topographie, non plus de la cartographie des entreprises minières au Congo. Est-ce que vous pouvez citer une entreprise congolaise appartenant à un Congolais parmi les 5 grandes entreprises minières? Non, il n'y en a pas. Dans 10? Il n'y en a pas. 15? Il n'y en a pas. 20? Il n'y en a pas. 50? Non plus. C'est pas possible. Oui. Justement, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui...
Tu sais, pour assurer la production, ça demande des gros moyens. Et les Congolais ne sont pas organisés. Ça, je lance à tous les jeunes qui sont en train de nous suivre. Nous devons avoir cette culture de nous mettre ensemble. Mais vous n'avez pas la culture de nous mettre ensemble. Vous vous rentrez dedans à tout moment. Vous ne vous entendez pas. Un problème de leadership se pose sérieusement. Un problème d'ego. Bon, vous allez vous mettre des bâtons. Vous êtes méfiant. Parce que Odon va croire que je suis contre lui. Bossembe croira que... et puis lui, Israël va me prendre. C'est compliqué tout ça. C'est ce qui vous met mal à l'aise parce que les Chinois peuvent venir ici. Ils ne sont pas de la même famille, peut-être pas de la même province aussi. Mais pour des besoins des affaires, ben, ils sont ensemble jusqu'au bout. Mais c'est possible pour des besoins des affaires. Dans chaque communauté, il y a des problèmes. Mais déjà qu'ils sont gérés depuis chez eux, ils sont mis ensemble par des banques, ils sont soutenus par des banques. Voyez un peu, je peux être le porteur du projet. C'est facile, on met des gens qui peuvent encadrer ce projet pour que nous le fassions. Mais à ce jour, ce n'est pas encore fait. C'est les Chinois qui envahissent le marché congolais des mines. Même les anciennes sociétés qui étaient gérées par les Américains, aujourd'hui c'est les Chinois, je parle le cas de TFM, qui était une société américaine, mais aujourd'hui, Semoc, qui est une filiale chinoise, a presque tout acheté, a acheté toutes les actions des Américains qui avaient en temps. Et à l'époque, aujourd'hui, c'est du chaos à TFM. Ils ont repris la sous-traitance, ils veulent plus sous-traiter. Alors, c'est une très grande entreprise. Je prends le cas de Kamoa, quand ils ont commencé, c'était une société, une filiale canadienne, nord-américaine toujours. Mais aujourd'hui, ils partagent les parts avec Xinjiang, qui est une filiale chinoise, 39%, 39%. Et pire encore, Xinjiang occupe la grande partie de la sous-traitance dans Kamoa. Nous dénonçons, nous en avons parlé aujourd'hui, que les autorités nous prennent quand même au sérieux, parce que je commence à comprendre qu'ils n'ont pas la bonne volonté, ou soit le peuple d'abord n'est juste qu'un slogan. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez le mémorandum sur votre bureau, je l'espère du moins. Nous avons crié, nous avons pleuré, nous en avons parlé. Aujourd'hui, je pense que c'est l'homme politique congolais qui est contre le citoyen congolais, qui est contre le développement et l'évolution du Congo, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux les affaires congolaises. Le président a besoin des millionnaires. Eh ben voilà, vous voulez les millionnaires, nous sommes là, nous pouvons le devenir. Nous ne vous demandons même pas le financement, parce que la loi prévoit tout. Est-ce que tu sais que pour chaque marché de sous-traitance, l'entreprise principale est dans le droit de verser avant l'exercice de la sous-traitance 30% pour cet exercice-là. Donc le gouvernement n'a même pas besoin de financer les entreprises pour qu'elles évoluent, faire respecter seulement la loi. Oui. Respecter juste la loi, vous aurez déjà 30%. Si. Alors est-ce que vous pensez, pour terminer cette question de la sous-traitance, par où l'État doit commencer à agir, selon vous? Aujourd'hui, je pense que l'État doit devoir donner beaucoup plus de pouvoir à l'ARESP. L'ARESP n'est pas là seulement pour prendre de l'argent comme ils prennent déjà, ils prélèvent de l'argent. L'ARESP, c'est l'agence. 1.2, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Il faut qu'on leur donne plus de pouvoir. Déjà qu'ils ont le pouvoir par la loi, mais il faut que le président de la République, que l'Assemblée nationale, qui a mis en application même quoi, cette loi et qui a été promulguée par le président de la République, donc il faut aujourd'hui qu'on leur donne plus de pouvoir d'agir, de contrôler et qu'on mette des vrais acteurs sérieux, qu'on décentralise la respect à la base. Je l'ai dit, je n'ai pas honte, je n'ai pas froid aux yeux de le redire encore. Nous sommes prêts de prendre relève au niveau provincial de l'autorité de régulation parce que personnellement, moi, je suis un homme de terrain, je maîtrise le terrain, je connais le terrain, je connais ce qui se passe. Donc, à la table des négociations, j'ai toujours eu un mot à dire, je l'ai dit plusieurs fois, et à peine même que les entreprises principales m'évitent pour ça. On évite mon entreprise pour ça. J'en souffre, je n'ai pas de contrat aujourd'hui. Je suis, je dirais même, en faillite presque. Pourquoi? Parce que 3 ans, gérer une entreprise sans contrat, c'est superbement difficile. Voyez un peu. Mais seulement, si d'autres Congolais peuvent bénéficier, moi, je serai l'homme le plus comblé, l'homme le plus heureux. Ton entreprise compte combien d'agents? Au départ, nous avions recruté 50 travailleurs dans différents secteurs. Aujourd'hui, la plupart, c'était des techniciens. Parce que vous savez, Christian, il faut aussi définir une chose. Un faux fuyant que les entreprises principales ont toujours utilisé, c'est dire que les nouvelles entreprises congolaises n'ont pas suffisamment d'expérience et d'expertise pour faire mieux le travail. Ça, c'est un faux fuyant et c'est vérifiable. Voyez un peu, Christian Bossembe s'enregistre, Bossembe Mining, tu arrives, tu ne maîtrises pas encore le secteur, tu ne prendras pas des,
travailleurs qui viennent de quoi de nos universités, vous voyez un peu, ils n'ont pas encore d'expérience de terrain. Et ils ont raison de dire cela. Mais nous avions compris cela. Personnellement, quand je dois aller m'enregistrer, les superviseurs et les managers que je prends, je ne recrute pas des nouveaux venus. Je cherche des anciens travailleurs qui ont eu à travailler avec les mêmes entreprises. Généralement, il y a des Zambiens, des Zimbabwéens, des Sud-Africains. J'en recrute 10, 15, 20 qui maîtrisent le terrain, qui maîtrisent le travail. J'en ai 30 Congolais qui seront rodés par ces experts pour qu'ils aient l'expertise. Et du coup, une entreprise ne dira pas que mon entreprise n'a pas d'expertise parce que j'ai les personnes qui ont déjà 20 ans de carrière dans les mêmes entreprises principales. Donc, du coup, je gère le problème de quoi ? De l'expertise et de l'expérience. Donc, aujourd'hui, tous ces travailleurs que j'ai eu à recruter au début, et la plupart sont retournés chez eux, ils sont à la maison parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer ces gens-là et on n'a pas de contrat sur terrain. Ça, c'est un sérieux problème que nous avons. Alors, mesdames et messieurs, je reçois Don Israël, qui est le président de la Ligue des jeunes des progressistes, alors avec qui nous parlons de deux questions principales, la question de la sous-traitance, mais aussi la question de la redevance minière. La première partie, on vient de la finir sur la sous-traitance, et vous avez formulé de propositions. Maintenant, parlons de la redevance minière. Qu'est-ce que le Congolais doit retenir de la redevance minière? Où en sommes-nous? Comment c'est gérer cette situation? Et justement, avant d'en arriver à la redevance, juste une dernière chose que je pourrais placer sur la sous-traitance. Aujourd'hui, la loi prévoit des pénalités pour les entreprises qui ne respectent pas la sous-traitance. Ça va jusqu'à 100 millions de pénalités, Christian. Ces entreprises ne respectent pas. Il y a une loi au Congo. Pourquoi le gouvernement ne punit pas? Pourquoi le gouvernement ne met pas de pression sur ces entreprises? Punissez ces entreprises, qu'ils se mettent à payer chaque mois de toutes ces pénalités. Ils vont contraigner à respecter notre sous-traitance. Et nous serons là pour accompagner le gouvernement. Nous allons parler encore et encore. J'accepterai de mourir pauvre, mais de voir mes frères congolais être enrichis, devenir millionnaires. Et j'espère que nous pourrons être récompensés autrement. Le bienfait n'a jamais et ne sera jamais oublié. Si pas peut-être avec Fatih, peut-être le quatrième président qui viendra après se souviendra de mon combat, de ma lutte, et je serai récompensé. Et le quatrième président, c'est déjà Fatih. Non, le quatrième président après lui. Après lui. D'accord. Allez, on va parler de la redevance maintenant. Oui, la redevance minière, qui est cette nouveauté dans notre code minier. Voilà pourquoi je vous disais que le code minier est déjà bien. Il suffit de l'encadrer et de le faire respecter. Là, je m'en vais dire merci à Joseph Kabila Kabangé pour cette initiative. Quand bien même c'était au crépuscule de quoi, de sa gestion du pays, il avait compris qu'il fallait léguer au moins un héritage, quelque chose de mieux, quelque chose de bien aux Congolais, et il l'avait fait. C'était quoi? La redevance, quoi, le code minier revisé. Ah, le code minier. Okay. Le code minier revisé. Je vous laisse en tout cas parler de ça, parce que franchement, il y a un débat tout de suite. Pour moi, c'est la pire histoire qui puisse arriver en tout cas. Et j'ai beaucoup de raisons d'en parler, mais parce que je vous reçois et qu'on n'est pas dans un débat, je vous laisse parler, prêcher à votre chapelle. Ok, du code minier. Je peux vous convaincre. Non, prochainement, nous pourrons revenir sur le code minier lui-même pour que vous compreniez comment et pourquoi ce code était très important. Ne vous en faites pas. Quand bien même l'œuvre humaine. C'est un bidon, en fait. C'est un truc bidon qu'on va peut-être en parler un autre jour, très prochainement, mais le moment n'est pas celui-là. D'accord. Oui. Comme toute œuvre humaine, d'ailleurs, il y a toujours des imperfections, quelque chose de bien. Mais là, en tout cas, la balance négative, elle est beaucoup plus importante. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de cette balance positive de ce code minier. Entre autres, nous parlons de la redevance minière. Vous savez qu'avant la redevance minière, toutes les entreprises principales, quand bien même elles payaient différentes taxes, c'était directement au trésor public, dans les comptes du gouvernement principal. Vous voyez un peu? Mais avec le code minier révisé, avec la redevance minière, donc on veut que l'ETD, l'entité territoriale décentralisée, bénéficie de ces terres. Aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, tous les alentours, partout là où les miniers ont eu à exploiter, à l'époque de Moïse Katumbi gouverneur, jusqu'en 2017, déjà avec l'avènement de la décentralisation, rien n'avait été fait à la base. Ces villageois, ces riverains, comme on doit les appeler, qui sont propriétaires autochtones de ces terres où on tirait ces richesses, n'avaient absolument rien bénéficié, Christian. Vous trouverez à l'époque, par exemple, le TFM, une grande entreprise aujourd'hui qui a enregistré des millions, pour ne pas dire des milliards de bénéfices.
n'avait absolument rien construit, ou presque, dans cette entité territoriale décentralisée. Ça, c'était un problème. Vous allez, par exemple, aux alentours de Mutanda Mining, le plus grand producteur du cobalt dans la sous-région. Rien n'a été fait. Les riverains vivaient dans une misère ahurissante, une misère noire, comme on doit l'appeler. Vous venez à Kolwezi, les ZTD ne bénéficiaient absolument de rien. Mais aujourd'hui, avec la redéfense minière, il y a changement. À la base, les gens bénéficient et il y a développement. Je veux me mettre à lister le bénéfice de la redévance dans la province du Lualaba. Vous serez stupéfait, Christian. Allez-y. Vous serez stupéfait. C'est tellement trop long que je me suis dit que, voilà, si je me mets à lister par cœur, je vais oublier beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il faudrait que le Congolais comprenne parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur la province du Lualaba ou sur les provinces minières en général. Parce que c'est un problème de leadership déjà au Congo. Quand bien même une province peut bénéficier de certains bon nombre de choses, mais il faudrait à tout prix que ce bénéfice-là, qu'il y ait un bon leadership pour que la population en bénéficie. La redevance, il n'y en a pas seulement au Lualaba. Les entreprises minières, il n'y en a pas seulement au Lualaba. Au Kasaï oriental, il y a des entreprises minières privées. Il y en a. Dans le Haut-Katanga, le Bazouélé. Mais moi aujourd'hui, je viens pas de ces provinces, je vais essayer de vous lister le bénéfice de la redevance minière dans ma province. Allez-y. Il y a même de ces Congolais, ce Lualabé qui vivent chez nous, qui ne sont même pas au courant de quoi, de ce qui se passe réellement. Ils ont vu seulement des projets qui ont été élaborés ça et là, sans savoir que ça venait d'où. Alors aujourd'hui, au bout de 2 ans, parce que là aussi, avant de lister, il faudra expliquer aux Congolais, pour certains qui font erreur, par exemple, que non, pendant 5 ans de gestion, c'est seulement ce qu'il y a. Non, la redevance minière est une actualité et ne date pas de plus de 2 ans. Vous voyez un peu, Christian? Ce dont je veux vous lister ici, c'est les réalisations d'il y a 2 ans seulement, ou 2 ans et demi si je veux aller plus loin. Et quand je parle de 2 ans, ou 2 ans et demi, ou même 3 ans, ça veut dire l'époque où Félix-Antoine Tshisekedi est président dans ce pays. C'était à la veille de la passation de pouvoir de Kabila Tshisekedi, et au début de quoi? De M. Félix-Antoine Tshisekedi, président. Là encore, un travail des communicateurs de la présidence, ils doivent descendre à la base pour savoir ce qui s'est fait réellement. Écoutez ce qui s'est fait avec la redevance dans la province du Lualaba. Déjà qu'il faut signifier, les bénéficiaires sont la commune de Dilala, la commune de Manika, la commune de Fungurume et le secteur de l'huile. Pour la commune de Dilala, on a refait la maison communale de Dilala. On l'a suréquipée. Aujourd'hui, la commune de Dilala est plus belle, plus moderne et mieux équipée que la commune de Lagombe. Je suis désolé. Ah, ça, c'est vous dites. Vous savez, les gens m'ont dit, vous exagérez beaucoup. Je n'exagère pas, Christian. Oui. Les images sont là. Les images de la commune. De la commune. De la commune. Dilala. Dilala, elle est plus belle que celle de la Gombe. Voilà, la maison communale. La maison communale. Ah, d'accord, la bâtisse. La bâtisse. D'accord. Voilà un peu. Donc, je parle de la maison communale. J'ai fait référence à Gombe parce que c'est la commune UP de quoi? La maison communale de Gombe n'est pas la plus belle de toutes les maisons communales. Mélangez même avec celle de Ngaliema, si vous voulez. D'accord. La commune de Dilala est mieux équipée, mieux moderne que toutes ces communes dont je viens de vous citer, dans la capitale Kinshasa. Il y a le quartier Kanina, dans la commune de Dilala, qui était le quartier le plus enclavé, là où on a construit des routes en terre battue pour essayer d'ouvrir cette portion de terre de la ville de Kolwezi. Parce que le quartier Kanina, c'est juste derrière le centre-ville de Kolwezi. Mais il était la plus enclavée, mais avec la redevance, on l'a désenclavée. On a construit plusieurs routes en terre battue. Et tu sais que la redevance, elle est mensuelle, elle est continue. Plus qu'elle continue, on va asphalter, on va bitumer toutes ces routes de la commune de quoi, du quartier quoi, Kanina. Dans le quartier Kanina, là où c'était un quartier, quand les quartiers les plus reculés, il y avait un problème de quoi, d'insécurité. Donc, on a construit un commissariat moderne, plus que moderne, mieux équipé aujourd'hui. On a construit un cachot moderne dans ce quartier, avec la redevance toujours.
Je prends, dans ce même quartier, on a construit aujourd'hui un centre de santé plus que moderne dans cette partie de la ville de Colouzi. Je prends le quartier Kapata, là on a construit une morgue. Je prends encore toujours le même quartier, là on a construit un sous-commissariat. On a construit, il y a un projet que Madame Fifi Masuka vient de lancer, le projet d'une école moderne avec centre sportif. En fait, c'est toujours dans la redevance de la commune de Manica. Et aujourd'hui, il y a bien des choses qui sont en cours d'être faites dans cette commune. Je prends la commune, je parlais de la commune de Dila tout à l'heure, de la commune de Manica, cette commune chère à Franck Moala, à Kafioto. Donc, on a construit une maison communale moderne aussi. Au bout de 9 mois déjà, cette maison communale était construite. Pas seulement ça, on a construit plusieurs bureaux modernes. On a refait l'ancienne maison communale et construit plusieurs bureaux modernes. On a construit une nouvelle caserne de pompiers et là actuellement dont je vous parle, il y a une bibliothèque moderne qui est en pleine construction. Il y a plusieurs centres de santé modernes qui ont été construits dans cette commune. La construction des bureaux de quartier. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Quand vous voyez les bureaux de quartier, c'est n'importe quoi. Mais dans la ville de Colosie, à travers la redevance, les bureaux de quartier sont modernes. Aujourd'hui, dans la commune de Manica, qui était enclin à plusieurs inondations, on est en train de remplacer les anciennes buses par des nouvelles vastes buses dans cette commune. On est en train de refaire, de construire des passerelles qui relient le quartier Kayeke et le quartier Dur, 10 passerelles en béton, pour permettre à ces deux quartiers de communiquer, parce que les habitants du quartier Kayeke étaient coupés complètement de l'autre partie de Colosi. Aujourd'hui, on est en train de quoi? De construire des bus pour permettre à cette population de traverser. Et on a foré plusieurs puits, parce que la régie des eaux, vous savez, c'est pas seulement à Kinshasa, même dans les provinces, la régie des eaux a des sérieux problèmes de quoi? De gestion. Aujourd'hui, on a construit la morgue de Mwangeji, une morgue moderne qui peut prendre jusqu'à 100 corps le jour. Toujours dans la redevance minière. On a construit deux grands centres de santé. Aujourd'hui, à Kakifulu, c'est encore en plein chantier. Mais quand vous allez, par exemple, au quartier Kasulu, un centre de santé ultra moderne, déjà fini. Là, c'était dans la commune de Manica. Vous prenez la mairie de Colosie. Aujourd'hui, il y a un grand projet d'assainissement de la ville de Colosie. On a aidé les jeunes entrepreneurs que le gouvernement provincial a eu à doter de motocyclistes, des tricyclistes, pour évacuer les immondices dans la ville de Colosie. Et toutes ces entreprises des jeunes sont payées par la redevance minière. Toujours. Et j'y vais. En ce qui concerne la mairie de Colosi, on a eu à faire l'aménagement du boulevard LDK. Tous les habitants de Colosi savent, c'est un plus bel endroit aujourd'hui. Il y a la réhabilitation de la tribune de la ville de Colosi, toujours dans la redevance. Il y a l'ouverture du quartier RVA, là où on a pu construire 22 km en terre battue, qui seront bitumées récemment. Je dis bien 22 km. Et vous connaissez le prix du kilomètre au moyen. Donc en cours, bientôt, ils seront bitumés, ce quartier, ce nouveau quartier qui est en train d'élargir la ville de Colosi. Il y a aussi la construction du bloc sanitaire du marché central de Colosi, toujours dans la redevance. Et je prends le secteur de l'huile, où beaucoup de gens ne savent pas, ce grand secteur qui ceinture toute la ville de Colosi. Il y a 8 bâtiments administratifs qui ont été construits et équipés par la redevance minière. Il y a eu un hôpital moderne qui a été construit et équipé par la redevance minière. Il y a eu une morgue et 2 ambulances qui ont été construites et équipées, des ambulances, par la redevance minière. Il y a un centre de santé, le centre de santé de Kinsenda, pour ceux qui voient sur le tronçon Kolwezi, Lubumbashi, ils savent voir ce centre de santé de Kinsenda. Il y a 39 km des routes qui ont été construites dans le groupement Kazembe, dans le quartier géologique de Colosi. Je dis bien 39 km de route, Christian. 39 km de route. Il y a 2 transformateurs électriques qui ont été amenés à Mopanja pour électrifier cette partie de quoi du secteur. Il y a eu des avenues qu'on a arrangées et bitumées quoi, dans les secteurs de Mopanja. Et pour terminer, à Fungurume, la commune de Christian Mukonto, que je salue d'ailleurs. Aujourd'hui, cette commune était abandonnée, comme je vous disais tout à l'heure. On a construit des bureaux administratifs. Quand bien même c'était
En partenariat avec le gouvernement provincial, la commune a eu à équiper aujourd'hui des équipements modernes dans cette commune. Cette commune s'est pas arrêtée là. L'un des plus beaux cachots de la République aujourd'hui, c'est à Fongorobé. C'est une nouvelle commune. Je dis bien l'un des plus beaux cachots de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui que je vous parle, bien équipé là où les prisonniers sont respectés dans leurs droits, parce qu'il y a de ces prisons-là, ils sont entassés à 100 personnes dans une pièce comme celle-ci, mais à Fungourou, maison des lits superposés, comme ce qu'on peut voir en Prison Break, Christian. Alors, ils sont bien équipés dans cette commune. Et aujourd'hui, le bureau du quartier Kabila, à Fungourou, mais il y a l'abattoir moderne qui est en pleine construction, et il y a la construction de plusieurs locaux des écoles, et le bitumage de plusieurs avenues dans Fungourou, mais pour la première fois depuis l'époque coloniale. Ça, ce sont les bénéfices de la sous-traite, de quoi? De la redevance minière dans la province du Lualaba. Christian, il y a des images. Je sais qu'en face à face, non, il n'y a pas de problème, on va voir ça. Donc, ça, on va gérer. Si vous pouvez, vous pouvez permettre, je vous prie, parce qu'aujourd'hui, j'aime l'un de vos confrères qui dit TV Zali Radio T. Quand il y a des images, il faut qu'aujourd'hui que le Congo sache qu'est-ce qui a été fait. Mais sous le leadership de qui? Le leadership de Richard Mouyej Mangezman. Je savais que vous alliez arriver. Je savais que vous alliez arriver. Mais Christian, Christian, pas seulement, pas seulement, pas seulement. Non, Israël, je vais vous donner la parole. Le plus grand ma plus grande difficulté, ce que les spectateurs vont le remarquer, que je n'interviens pas quand vous faites l'énumération de toutes ces prouesses, parce que j'ai la difficulté de dire non à ce que je n'ai pas vu. Mais il y a des images, non, les images, je suis journaliste. Donc les images, c'est pas à moi que tu dois parler de ça. Les images, c'est à ceux qui ne connaissent pas la télé. Ils peuvent croire en des images. Moi, je sais comment faire, on fait les images. Je sais comment on crée les images. Donc, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, le plus important, c'est qu'il faut que je voie. Il faut que mes yeux voient. Si mes yeux ne voient pas, je risque de ne pas croire. Et je peux te garantir qu'il y a des Congolais qui continuent à m'appeler pour me dire que s'ils ont connu des piètres gouverneurs, c'est Richard Mouyej. Et ici, vous faites la promotion, l'apologie de Richard Mouyej pour dire que ce leadership, ça vient de lui. Je ne refuse pas. Je ne peux pas dire non parce que je ne suis pas allé là-bas. Je voudrais, nous allons mettre ça dans le programme des Congo Buzz, arriver sur place à Kolwezi. On va, c'est Lualaba. C'est ça, non? Lualaba, Kolwezi. Lualaba, Lualaba, c'est la province, Kolwezi, la ville. Très bien. Et là, toutes ces provinces, c'est dans la ville de Kolwezi. Non, non, pas seulement dans la ville de Kolwezi. Ah, bah, un peu partout aussi. Parce que la fois passée, vous m'avez demandé que. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, non, le Lualaba, c'est pas seulement Kolwezi. Ah ben, ce dont je viens de parler ici, c'est pas seulement dans la ville de Kolwezi. Fungourou, mais c'est à plus de 90 km. Et le secteur de l'huile, où s'entoure toute la ville de Kolwezi, ce sont des villages. Christian, je le répète encore. Je veux, je le veux, je le désire. Et quand je vous parlais de Richard Mouyej Mangezmans, Richard Mouyej Mangezmans n'a pas travaillé seul. Il n'a pas travaillé seul. C'est lui le leader, c'est lui le visionnaire, c'est lui qui a donné le go, qui a coaché tous ces bourgmestres et tous ces chefs des secteurs pour qu'ils se mettent, qu'ils aient cette culture de bâtisseur qu'il est lui-même. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec un autre Lualabé qui pense le contraire? Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que la population congolaise et la population lualabaise découvrent la vérité. Et nous ne devons pas seulement nous éterniser dans les débats que je qualifierais aujourd'hui des discussions byzantines sans fin qui ne produiront absolument rien. Non, mais parce que... Votre vœu, je pose votre vœu, j'aimerais que Critique Info Congo Buzz descende dans la province. Voyez un peu. Récemment, Madame Fifi a lancé un chantier, celui de quoi, de ce centre moderne quoi, dans la commune de quoi, de Manica dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la continuité de quoi, du projet, du plan quinquennal. Voyez un peu. Il y a un coach, il y a un leader qui dit voilà, nous allons commencer par ceci, bien que c'est l'argent qui est versé aux ZTD. Mais c'est pas lui le coach, c'est le gouverneur et les vice-gouverneurs sont élus le même jour. Ils ont un plan commun. Alors comment vous allez dire que tel est coach de l'autre, ça ne marchera pas. Mais, parce que si vous posez la question à la vice-gouverneure, elle ne croit pas au leadership de Monsieur Mouyej. Non, elle ne croit pas. D'ailleurs, je vous dis, si nous descendons, j'aimerais bien qu'on descende maintenant, parce que si on descendrait au Lualaba,
quand le gouverneur Richard Mangas sera déjà là, les gens vous diront encore, non, non, vous êtes corrompus, que voilà. Non, moi, ils savent que je ne suis pas corrompu. Vu qu'Israël a toujours parlé de quoi? Du leadership de Mouyej, donc on t'a donné de l'argent comme non, on a donné aux autres. Moi, j'aimerais que maintenant, le gouverneur ici, retenu ici, que moi et toi descendons, arrivons au loi là-bas. Nous allons parler juste, nous allons présenter les non, effets de la redevance. Non, mais sa présence n'a rien à voir avec mon travail. Justement. Il peut ne pas être là, moi je fais mon boulot. Tout à fait. Le problème n'est pas celui-là. Moi je voudrais que... Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer un autre loi là-bas qui pense le contraire, pièce contre pièce? Lui aussi peut avoir des images, des endroits, et on le fait. Si vous êtes d'accord, j'organise ça. Si vous n'êtes pas d'accord, je respecterai votre point de vue. Ok, Christian, je suis prêt. S'il faudrait même que, juste après cette émission, à la seconde près, qu'on m'amène quelqu'un d'autre sur ce plateau, je suis prêt d'affronter n'importe qui. Mais seulement, je n'aimerais pas que vous nous dites cette fois-là que non, non, je vous laisse parler parce que moi, je n'ai pas de l'élément, je n'ai pas été sur le terrain. Voilà pourquoi j'aimerais que moi, Christian, Bossembe et Congo Buzz, une équipe réduite, parce que on peut parler à des gens qui peuvent nous soutenir sur cette question. Il y a des lois là-bas qui aimeraient bien qu'on présente, qu'on vende leur province. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, même pour le lobbying futur, pour les investisseurs étrangers, Critique Info est l'une des émissions les plus suivies. Il y a des gens qui peuvent nous suivre de partout, de l'étranger, des États-Unis. Vous n'avez pas les Bakatakatanga là-bas? Non, jamais. Ok, parce que... Donc, Christian, nous pouvons descendre, pas seulement à Kolwezi. Là, je parle déjà au vieux Mokonto de Fungurume. On peut descendre à Fungurume, on peut descendre, circuler dans la commune de Manika, dans la commune de Dilala, le secteur de l'huile. Je peux appeler toutes ces personnes aussi, besoin d'écrire à la province pour votre travail, pour que vous présentiez cette province bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Mwangeji? On voit la présence des médecins indiens en lieu et place des médecins congolais. C'est ce qu'on nous raconte. Hein? C'est ce qu'on nous raconte. Qu'est-ce qui se passe, selon vous? Il y a déjà un sérieux problème que j'aimerais dénoncer ici. Je vais en appeler à Mme Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de ma province en ce moment, que vous deviez regarder avec un bon oeil ce problème de l'hôpital Mwangeji. Vous savez, dans le cadre de créer une zone de santé de référence dans la province, dans l'espace Grand Katanga, le gouverneur a initié beaucoup de projets allant dans le sens d'aider quoi, la population locale, de ne pas chaque fois recourir, parce qu'il y avait même, jusqu'il n'y a pas longtemps, beaucoup de Lualabé, pour mieux se faire soigner, quand quelqu'un n'a pas suffisamment de moyens, ils partent à Lubumbashi. Vous voyez un peu déjà, c'est un sérieux problème. Alors le gouverneur, étant un visionnaire, a instauré quoi, a voulu réellement que les choses changent dans la province. C'est ainsi qu'il a fait appel à beaucoup de personnes. Il y a un groupe des Indiens, des experts indiens, qui sont venus pour faire échange de connaissances avec les médecins locaux. Il n'y a pas seulement des Indiens. Il y a par exemple un chirurgien qui est venu de quoi? De Bukavu. Un grand homme, un grand chirurgien qui fait des exploits aujourd'hui à l'hôpital Mwangeji aujourd'hui. Il y a des témoignages. Il y a tout ce groupe-là. Il y a une dame, une jeune neurochirurgienne qui est sous place là, qu'on a fait venir avec les équipements qu'on a amenés dans la province, pour qu'il y ait des gens qui sont déjà rodés, qui peuvent mieux transmettre les connaissances, qui peuvent échanger avec les médecins locaux, pour que le Lualaba soit réellement une zone de référence de santé dans l'espace Grand Katanga. Mais nous apprendrons qu'aujourd'hui, que tous ces médecins, toutes ces personnes qui sont venues, ne sont pas payées depuis 6 mois, depuis que le gouverneur n'est pas là. La santé des Lualabé, Madame Fifi Masuka Saini, c'est pas une affaire du gouverneur. Ces gens, ces médecins qui sont là, ils ne sont pas cousins, neveux ou nièces au gouverneur Richard Mouyej Mangas. Justement, mais qu'est-ce qu'il y a à voir que depuis que le gouverneur n'est pas là, ces médecins ne sont pas payés? Non, mais comment vous faites le lien? Pourquoi vous faites le lien? Justement, parce donc que c'est madame qui gère. Donc c'est le gouverneur qui paye les médecins. Non, alors, vous voyez, il y a des projets. Quand ils sont pilotés par le gouvernement provincial via le ministère provincial de la santé. Justement, c'est là le problème. Et en ce moment, justement, mais qui coach en ce moment? C'est Madame Fifi Masuka Saini. Donc, vous êtes en train de nous dire que
c'est le gouverneur qui payait les... Le gouvernement provincial, pas le gouverneur. Justement, un gouvernement provincial est dirigé par le gouverneur. Et aujourd'hui que le gouverneur est absent, c'est Madame Fifi Masuka, vice-gouverneur, gouverneur ad intérim, qui doit pérenniser. De même qu'elle le dit pour d'autres projets, parce qu'il y a... Il y a quelque chose qui me plaît pas. Je pense que Madame Fifi n'est pas aidée par ça, par son entourage. Il y a des gens qui la conseillent. En tout cas, trop mal. Mais là, cette façon de faire les choses, quand les choses sont bien, bon voilà, c'est Madame Fifi qui travaille. Elle est là, elle est à côté de la population. C'est bien beau. Il y a cette continuité de l'étape quand même. Vous n'êtes pas là. Pareil. Mais quand ça clash, on nous dit que non, ce n'est pas nous. C'est le projet qu'on avait trouvé. Vous avez trouvé ce projet de Mwangeji. C'est maintenant qu'ils sont là. Continuez à leur payer, s'il vous plaît. Oui, mais vous avez attaqué Mouyej, vous aussi, à votre temps. Vous avez attaqué Mouyej après l'avoir côtoyé. Vous avez changé de discours. Je voudrais savoir pourquoi, quand ça marche, vous dites que c'est Mouyej. Quand ça ne marche pas, c'est Fifi Masuka. Et qui vous a dit ou vous a menti que je me suis attaqué au gouverneur? Non. J'aimerais aussi profiter de votre plateau pour redéfinir certains bon nombre de choses. Mon combat n'est pas un combat d'homme. Ben là, on dirait que vous vous attaquez à Madame Fifi. Non. J'ai bien dit que Madame serait mal entourée en ce moment. Non, mais il y a des gens. Parce que vous dites qu'il doit payer. Ce n'est pas elle qui paye. C'est elle qui doit donner le go. Madame, s'il vous plaît, la santé des gens est une priorité. Mais ça n'a rien à voir avec elle. Ça a à voir avec elle dès l'instant que c'est elle qui coach les gens qui sont là. Vous dites que c'est le ministre de fidèle. Le ministre de santé est sous tutelle de Madame Fifi en ce moment. Donc c'est Madame Fifi qui dit au ministre de ne pas payer les gens. Par exemple, je ne le dirai pas, je le dirai au conditionnel. C'est pas possible. Comment vous imaginez qu'un gouverneur puisse dire à son ministre de ne pas payer les gens? Pour quelle raison? Mais il y a pas que ça, Christian. Oui. Il y a pas que ça. Vous savez, si je veux juste briefer un tout petit peu, il y a ce problème, ce fameux problème. Nous avons 38 jeunes lauréats de la province du Lualaba qui vivent sous la charge du gouvernement provincial, qui étudient sous la charge du gouvernement provincial, qui sont à Chypre. Ces enfants ne sont pas les enfants du gouverneur Richard Mouyej Mangezma. Ce sont les enfants de Lualaba, les enfants qui sont démarqués aux examens d'État. La province les a envoyés pour aller apprendre, pour aller faire des bonnes études, afin que demain qu'ils reviennent dans la province, qu'ils développent encore le mieux possible. Est-ce que vous savez que ça fait 6 mois, on n'envoie pas l'argent à ces élèves? Non mais attendez. Comment dire maintenant de ces médecins qui sont là? Non. Ça c'est un problème qui se passe dans ma province. Comment est-ce que la province peut se comporter de cette façon? S'il vous plaît, cher Lualabé, les enfants que nous avions envoyés étudier à Chypre, ils sont en train de souffrir en ce moment. J'envoie ces SOS. Ce sont nos enfants, s'il vous plaît. Mais on va dans tous les sens, en tout cas, on va des coq à l'âne. Je voudrais revenir sur la question. Dites-nous, le programme d'envoyer les enfants en Europe étudier, est-ce que ce programme était budgétisé? Est-ce que ce programme était discuté au Conseil des ministres? Est-ce que l'Assemblée provinciale était au courant de toutes ces choses-là? Si M. Mouyej l'a fait de sa bonne foi parce qu'il est gouverneur, il pouvait tout se permettre, eh bien, quand il n'est pas là, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de traçabilité, que personne ne suive la logique. Il faudrait, quand on fait des programmes, que tout le monde soit concerné, que le gouvernement provincial soit concerné. Ça ne doit pas être l'œuvre d'un gouverneur, ça doit être l'œuvre du gouvernement provincial. Est-ce que c'était le cas? Si vous me dites aujourd'hui que c'était le cas, ok, la faute c'est à Madame Fifi. Est-ce que le fait du gouverneur de la des hôpitaux dont vous parlez, est-ce que ça a été budgétisé? Parce que le mal des gouverneurs, très souvent, c'est aussi cela. Ils veulent faire des choses pour finalement que les gens comprennent, pour des raisons électoraux. Et puis après, quand ils ne sont plus là, ça devient compliqué. Parce qu'on ne sait pas suivre la trace. Ok. Christian, déjà que vous dites une chose, et son contraire déjà. Oh, comment ça? Quand il est question de quoi? De l'hôpital, vous avez dit que non, voilà, ce n'est pas madame, ou ce ne serait pas le... c'est pas madame qui devrait. Non, mais c'est ni Mouyej, c'est ni madame, c'est le gouvernement provincial, de leur ensemble. Tout à fait. Oui. Mais je peux vous assurer ici que ce gouvernement provincial, il a été dirigé, ou il est dirigé jusqu'à aujourd'hui, par le gouverneur qui est à Kinshasa, Madame Fifi qui assure l'intérim, son place, et le gouvernement, donc les ministres provinciaux. Oui, je vous dirais que c'est un programme qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, depuis plus de 4 ans aujourd'hui.
D'abord, je ne parle pas ce de programme. Je ne parle pas existe. De la durée. Justement, ce programme a toujours été budgétisé parce que le gouverneur ne faisait pas sortir l'argent de ses poches. Combien on donnait à ces enfants? Justement, ces enfants sont pris en charge par le gouvernement provincial, je vous ai bien dit. Je n'ai pas le chiffre. Je n'ai pas. Alors, abstenez-vous de commenter. Pourquoi m'abstenir? Parce que je ne connais pas le chiffre. Mais le plus important, c'est de savoir que c'est le gouvernement provincial qui le fait. Et même si ce n'était pas budgétisé, au cas où ça ne serait pas budgétisé, comme vous le dites, mais aujourd'hui, il y a des programmes que Mme Fifi vient de lancer qui ne sont pas budgétisés. Aujourd'hui, on veut lancer un budget correctif de cette année, de cet exercice. Pourquoi? Pour couvrir certaines actions qu'elle fait. Mais ces enfants qui sont là, vous dites c'est là le mal, c'est là le mal. Aujourd'hui, on veut torpiller l'action de Richard Mouyej-Manguezmans comme chef de l'exécutif à tout prix pour le salir devant le commun de mortels. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est que vous s'aimez, vous allez le récolter demain. Et demain, peut-être juste après ces quelques jours, parce que le gouverneur est encore gouverneur. Ce programme a été sponsorisé par la province. Ces enfants, ce sont nos enfants. Il faut qu'on envoie de l'argent à ses enfants. Si encore, au cas où, aujourd'hui, si la province va, aura le courage de dire au Lualabé que voilà, moi, Madame Fifi et le gouvernement provincial, nous refusons parce que cet argent sortait, ne sortait pas d'une des bonnes manières, c'était pas budgétisé, nous n'allons plus payer des études pour ses enfants, qu'elle le dise ouvertement et qu'on rapatrie ses enfants, que de laisser ses enfants en train de souffrir. Là, j'en appelle même au ministre national de quoi? De l'enseignement. Voyez un peu, parce que c'est pas normal. Ce sont des Congolais qui sont là. Ils sont partis pour les études. Oui, mais parlons-en. Ça aussi, c'est un peu beaucoup plus du fanfaronisme. On essaie un peu de faire beaucoup plus de tapages électoraux. Vous allez scolariser les enfants à Chypre, alors qu'il y a encore des Lolabais qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens pour faire l'université chez vous. Donc, vous allez privilégier d'envoyer certains enfants aller étudier à l'étranger, alors que vous avez dans le Lolaba des jeunes enfants qui, au lieu de faire l'université, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous préférez envoyer les gens là-bas à l'étranger. Est-ce une politique intelligente? Christian, ce n'est pas connaître la province quand vous dites cela. Comment ça? Je vous le concède, parce que quand nous allons descendre, vous le comprendrez. Oui. Aujourd'hui, sur le plan éducationnel, la province du Lualaba s'est démarquée. Vous voyez un peu? Il y a plusieurs écoles, plusieurs même instituts supérieurs qui ont été construits dans le fin fond. Et quand vous parlez de gratuité même, aujourd'hui, la gratuité est appuyée. Parce que vous savez, la gratuité, c'est que les gens ne comprennent pas non plus. La gratuité est effective dans les écoles officielles et les écoles conventionnelles. Voyez un peu, nous disons la même chose. Aujourd'hui, c'est une bonne politique parce que déjà, par exemple, pour tous les enfants finalistes, quand vous êtes en sixième, des études primaires, et quand vous êtes en sixième des études secondaires, c'est la province qui paye les frais. C'est pour aider les parents qui souffrent afin que les enfants étudient, Christian. Combien d'enfants sont allés à Chypre? Ils sont à 38 aujourd'hui, plus ou moins 38. Est-ce que vous savez ce que ça représente, un enfant, le coût que ça représente? Le coût que votre province sort pour scolariser, assurer les études, la santé, la vie d'un enfant à Chypre, ça peut faire scolariser, faire étudier, si vous voulez, près de 10 Lolabais à l'université, au Congo. Okay. Donc, je considère qu'on sacrifie près de 300 ou 400 Lolabais au profit de 30 Lolabais qui vont aller à Chypre. Parce que ça va faire beaucoup de bruit, les gens entendront que le gouverneur a fait beaucoup de travail, au lieu de travailler durable. Mais ce n'est qu'un aspect, je ne condamne pas, c'est juste un point de vue. Moi, je pense plutôt que même dans la province du Lolaba, il y a les boursiers qui étudient, qui ont été boursiers par la province, qui étudient, je n'ai pas le chiffre exact, qui étudient sur place au Lualaba. Et aujourd'hui, Christian, moi je vous dirai non à cela. Aujourd'hui, quand nous pensons le Congo de demain, avec toutes les grandes économies du monde, nous devons être sérieux à un certain niveau. Et être sérieux signifie déjà que notre système d'éducation est décrié par tout le monde, même par Christian Bossembe. Les études au Congo sont au plus bas. Vous le savez, je le sais, nous le savons. Oui, oui. Si nous voulons préparer l'avenir... Il faut les envoyer à Chypre. Attends, pas seulement. Voyez un peu. Aujourd'hui, nous avons besoin des bons cadres. Je ne dis pas que toutes les études au Congo sont biaisées. Il y a ceux, les rescapés, ceux que j'appelle les rescapés, qui avaient cette envie de se documenter, d'étudier, comme vous autres. Voyez un peu, vous sortez de l'université et vous êtes bien calés. Vous avez la matière. Ils sont un nombre
infiniment petit aujourd'hui au Congo. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des actions à encourager. Oui, mettons... Non, justement, ce sont des actions à encourager. Envoyer les enfants... Justement, s'il le faut, Christian. Le problème, c'est ici, à ici et ailleurs. Oui. Travaillons localement. L'école gratuite, c'est au niveau de l'école primaire. Oui. Le secondaire n'est pas gratuit. Oui. Il y a beaucoup d'enfants là-bas qui ne sont pas allés à l'école, à l'école, au niveau de l'école secondaire. Ils ne sont pas allés là-bas. Alors, en tant que gouverneur, influencez le programme. Mettez en place des programmes structurants, des sérieux programmes de structure. Vous pouvez faire... Enfin, il y a tellement de choses à faire. Quand on veut faire développer sa province, on peut le faire. Mais quand on fait le choix d'envoyer un bon nombre d'enfants à l'étranger pour faire plaisir, hein, ouais, ça, c'est bon aussi. C'est pas question de faire plaisir. Bon, aujourd'hui, le programme éducation dans le Lualaba, oui, c'est le programme le mieux avancé par rapport à toutes les autres provinces. Merci beaucoup. Monsieur donc, Richard Mouyège-Manguez-Mans et la province du Lualaba ont travaillé d'arrache-pied pour soutenir la gratuité de l'enseignement implémenté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission, il faut que les gens apprennent à être mieux conseillés. Parce qu'on n'en parle pas, on n'en a pas parlé, peut-être qu'on en parlera prochainement. Je demanderai déjà au niveau de Kinshasa et surtout dans ma province Lualaba. Et en ce moment que le gouvernement n'est pas là, que les autorités apprennent à être mieux conseillées, pas par des personnes, parce que j'apprendrai qu'il y a des personnes qui auraient même plagié leur propre thèse de doctorat. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont donneurs des leçons, ces mêmes personnes qui conjuguent mon gouverneur, le gouverneur de Lualaba, par le passé. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui conseillent... Christian, laisse-moi dire ça, 30 secondes seulement. Oui, mais vous n'allez pas utiliser mon plateau pour attaquer les gens. Hein? Je n'attaque pas. D'accord. Je parle bien en conditionnel. Okay. Qui conseillerait, madame le vice-gouverneur, de construire une résidence du chef de l'État. Là n'est même pas le problème. Oui, c'était dans le programme. Oui, mais pas pour cette année. Voilà pourquoi ils veulent faire de voter un nouveau budget correctionnel pour insérer cela. Ça n'a jamais été une priorité. Là, les Lualaba le savent. Vous l'aviez dit, les autres l'ont dit. Je le redis, ce n'était pas une priorité, ce n'était pas programmé pour cette année. Peut-être pour les jours à venir. Mais le plus grand problème, c'est l'emplacement, Christian. On construit la résidence du président de la République juste derrière le gouvernorat. Ça veut dire une personne qui travaillerait au deuxième niveau du gouvernorat va voir tout ce qui se passe dans la maison du président en bas là-bas. Et cette résidence est à moins de 50 mètres d'autres personnes. Pour dire si ce projet doit être réellement fait là-bas, on doit délocaliser au moins un pâté de maison quoi, de tous les habitants de ce coin. Habitants voisins des jolis sites du gouvernorat provincial, sachez que d'ici quelques temps, on va prendre vos maisons là-bas. Parce que c'est impossible qu'une personne soit dans sa maison à 50 mètres de la résidence du président de la République. Les mesures sécuritaires. Ça c'est une vérité. À Colossi, il y a déjà une résidence qui fait office de résidence du président de la République. Ça aurait été mieux de remodeler, relooker cette résidence. Alors, parce qu'elle est bien, elle est un bon emplacement pour une résidence. Merci. Pas là où ils sont en train de construire, c'est du n'importe quoi. Madame Fifi, ne vous laissez pas duper par vos conseillers qui vous induisent complètement en erreur. Qu'ils seraient des plageurs. Dans Israël, merci beaucoup. Je rappelle que le propos tenu par Israël ne l'engage que lui et ça n'engage nullement mon plateau, moins encore la chaîne Congo Buzz. C'est un invité qui parle et qui prend la responsabilité de ses propos. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois qu'on reviendra très prochainement sur d'autres questions. Et je dis aussi à tous les autres Lualabais, vous êtes sur place à Kinshasa, venez, l'émission est ouverte pour vous. Si vous avez un son de cloche contraire, venez, vous allez avoir votre temps de parole. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Allez. Hello. Lupi non biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko etazini. Oni koko ma bona bona bo genèse. Mona etazini. Tata yo kikole la nabino. Atinde libino. Mama Samira. Ndenge ozala kan etazini okole lokola mutwaza na mombele. Lokola mutwaza na ngaba. Merci mon bi. Wow! Kiste mungus. Bana etazini. Kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafuta ya mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansor mazali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, pona kozwa biloko a detail. Yoka numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse
Il y a entrepôt 12, 40, Avenir Andol, dans les banques. Tala, Yoko Banda Koteka, Mbisiya Kokauka, Mongusu, Mafute Mbila, et Koko Malokola Bazokana yo. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique, Colis Booking qui travaille en partenariat avec La Poste et là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps.